tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo wishlist. Ça fait hyper longtemps que je ne vous en ai pas proposé. Ces dernières semaines, je ne vous y parlais que de mes dernières lectures. Je vous faisais des retours de lecture avec il y a de livres à chaque fois, mais réguliers. J'espère que ça vous plaît. Et là, je me suis dit, ce serait quand même cool de faire une vidéo wishlist. Sachant qu'en travaillant en librairie, vous vous doutez bien que j'ai plein d'envies de lecture très souvent, voilà. Même vous qui ne travaillez pas en librairie, je pense que c'est le cas aussi, c'était mon cas avant. Et c'est toujours le cas, voire pire actuellement, alors que je suis entourée de livres tous les jours. Donc je vais vous présenter 5 livres que j'ai très envie de lire, que je pense que je vais lire dans tout le mois de février. Je me laisse jusqu'à mi-mars pour les lire. Un va être un peu compliqué, je vais vous expliquer ensuite il y a pourquoi. Mais voilà, ce serait vraiment cool que je les lise. Il y en a certains que j'ai avec moi aujourd'hui, il y en a 2 et le reste, je vous laisserai bien sûr des photos. Donc voilà, on commence cette vidéo tout de suite. Alors le premier livre que j'ai très envie de lire, c'est Les Doigts Rouges de Kaigo Higashino, que j'ai eu gratuitement à la librairie parce que c'est offert pour l'achat de 2 autres. Donc c'est cool. Voilà, Kaigo Higashino, c'est un grand maître du thriller japonais. J'avais lu et beaucoup aimé Le Dévouement du Suspect X et Un Café Maison, que je vous recommande et que j'ai conseillé à mon collègue du Polar et d'acheter pour la librairie, chose qu'il a faite. Ça m'a fait très plaisir pour emplumer un petit peu son petit rayon Higashino. Et il y a notamment celui-ci, voilà, que j'ai très envie de lire, que j'ai avec moi. Voilà, il faut juste que je me pose. Mais comme en fait, lui, je l'ai chez moi, je me dis que j'ai le temps. Alors qu'il y en a plein qu'il y a à la librairie qui vont bientôt disparaître. Enfin, ça tourne quoi. Soit ils sont achetés, soit on les vire parce qu'ils ne se vendent plus. Soit on en réduit, donc on en a moins. Donc c'est plus compliqué de les emprunter. Mais donc voilà, c'est pour ça que je priorise un petit peu les lectures qu'il y a à la librairie, que je peux en plus emprunter gratuitement. Donc c'est pour ça que je ne me mets, il n'y a pas une pression de ouf pour le lire comme les autres qu'il y a ensuite. Mais voilà, à chaque fois Higashino nous présente des polars vraiment intéressants. Nous, il dépeint une société japonaise complètement différente des livres. Il y a par exemple de Ogawa Ito, de Murakami que j'ai l'habitude de lire et qui sont un plaisir à chaque fois pour mon esprit et mon corps. Mais là, rien à voir et pour autant j'adore tout autant. Il y a aussi son tout dernier que je souhaite lire, mais pour le coup il faut que je l'emprunte et on n'en a que quelques-uns, donc là c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, celui-ci que j'ai vraiment très très envie de lire, voilà, Les Doigts Rouges. Je vous avoue que je n'ai même pas forcément regardé le résumé, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, ça ne saurait y tarder, donc vous inquiétez pas. Le deuxième que j'ai envie de lire et que j'ai avec moi, et normalement ça devait être ma prochaine lecture, mais là j'ai enchaîné avec le nouveau Yuzuke Kishi que j'ai pris en service presse, et en fait comme mes collègues ensuite ont envie de le lire, je l'ai priorisé, comme ça je peux le rendre rapidement. D'ailleurs je vous en reparle très bientôt. Il y a celui-ci que j'ai intercepté qui aurait dû retourner chez l'éditeur, c'est Les Suicidés du bout du monde de Leila Guerriero. C'est un livre qui se passe en Argentine, je n'ai jamais lu de livre qui se passe en Argentine, et j'ai été inspirée par le titre, un titre poignant qui en dit long, et la très jolie couverture, et bien sûr en troisième, le résumé qui se passe du coup en Argentine, où en fait il y a une vague de suicides de jeunes gens dans la ville de Las Heras en Argentine, et l'autrice entre en fait dans la vie. Il y a des personnes qui ont vécu ce drame, enfin l'entourage, et du coup j'ai l'impression, enfin c'est une histoire vraie je crois, donc voilà, je pense que ça peut être assez triste mais assez intéressant. Et comme en plus je ne suis jamais allée en Amérique du Sud, en Amérique centrale à part Cuba, ben je pense que je peux en découvrir plus et que ça peut me donner envie d'y aller. Enfin bon, c'est pas ma priorité actuellement, mais voilà, un bon roman je l'espère. Le troisième roman, et il fait un carton en ce moment, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. En fait, j'en ai reçu un certain nombre à la librairie. Je me suis dit, mais
Pourquoi est-ce que j'en reçois autant? Sur la couverture, c'est la jeune fille à la perle, il me semble. Un gros livre qui a en fait pour diadème qu'une jeune fille, il lui reste un an à vivre. Et que durant cette année, son grand-père va l'amener dans plein d'expos et de musées pour qu'elle se heurte à l'art et qu'elle en apprenne plus. Et chaque chapitre, chaque 52 chapitres, parle d'un artiste. Et quand je l'ai eu entre les mains, que j'ai lu le résumé et que je l'ai feuilleté, je me suis dit mais ça a l'air trop bien. J'ai trop envie de l'emprunter. Le thème trop bien, hyper original, triste et émouvant, intéressant et dans lequel on en apprend plein à la fois. Et j'en ai vendu direct plein. Et parce qu'il est passé à la grande librairie et qu'il commence à avoir un succès mondial alors qu'il est sorti littéralement tout début février. Qu'aujourd'hui on est le 6 au moment où je filme et que je l'ai seulement depuis quelques jours et qu'il s'arrache, il y a déjà, voilà, c'est un truc de ouf. Franchement, je ne sais pas qui m'en a envoyé autant, mais je la remercie. J'en ai, il y a déjà recommandé un certain nombre aussi. Donc lui, c'est celui où je vous disais que ce sera difficile de le lire bientôt, je pense, parce qu'il faut vraiment que je les laisse tous en librairie, il y a tant que la frénésie est encore très présente parce qu'on risque d'en manquer. Mais voilà, je trouve qu'il a l'air hyper bien et j'ai lu un article ce matin que j'ai envoyé à ma chef. Il y a parce qu'on était vraiment surprise de cet engouement. Enfin, il n'y a pas forcément surprise, mais c'est toujours impressionnant à voir. Et qu'en fait, le livre avait déjà obtenu ou voulu être traduit en 27 langues différentes, qu'il y a plein de gens qui veulent l'adapter au cinéma, que c'est déjà un succès de ouf, alors que le livre est sorti il y a une semaine, c'est incroyable. Donc voilà, ce livre, dont je n'avais pas du tout prévu le succès quand je l'ai eu entre les mains, et dès le lendemain, on m'en a demandé plein. Franchement, ouais, l'histoire a l'air super intéressante, donc je vous en reparlerai très bientôt. Lui, très clairement, je le lirai. Mais comme je vous disais, je vais attendre d'en recevoir encore plus pour être sûre qu'il n'y en manquera pas. Donc lui, c'est un livre à surveiller. Je pense que ça va faire comme Son odeur après la pluie, qui très clairement n'a été dévalisé. Les premières semaines où j'ai travaillé à la librairie, aucune vente ou quasiment. Et un mois plus tard, on en vendait 10-15 par jour. C'est un truc de fou. Donc voilà. Le quatrième roman que j'ai très envie de lire, et vous allez voir sa très magnifique couverture juste ici, c'est Un lundi et parfum à matcha de Michiko Aoyama. Un magnifique roman japonais que mon collègue de la Lité étrangère a reçu en quelques exemplaires, et pas énormément. Je crois qu'il en a vendu encore aucun pour mon plus grand plaisir. Comme ça, je vais pouvoir rapidement l'emprunter. Forcément, j'ai été émerveillée devant cette magnifique couverture. En plus, c'est une autrice assez connue qui avait écrit Un jeudi saveur chocolat, un truc du style, qui s'est bien vendu aussi. Donc voilà, lui très clairement je l'emprunterai. Je ne sais à peine de quoi ça parle, juste il est beau, c'est un roman japonais et je pense très clairement que ça va être le genre de livre que je vais adorer, comme Le beurre de Manako, comme La librairie de Morizaki, comme les livres de Ogawa Ito. Bref, lui très clairement je l'emprunterai et en plus il n'est pas dévalisé, donc je pourrais l'emprunter facilement et j'aurais même je pense envie de l'acheter parce qu'il est trop beau. Bref, on verra plus tard. Et le cinquième roman où je m'étais dit il faut que je le lise dès qu'on l'a reçu il y a plus d'un mois, c'est Mon cœur a déménagé de Michel Bussy, le dernier Michel Bussy. Alors Michel Bussy, je les ai quasiment tous lus. J'aime beaucoup ce qu'il fait, au grand dame de mon collègue du polar qui n'aime pas. Voilà, qui dit que c'est prévisible. Mais moi j'ai envie, voilà, je ne sais pas s'il va être incroyable, mais j'aime beaucoup Michel Bussy. On en a encore un certain nom, donc je pense pouvoir l'emprunter pas trop difficilement. Sauf que il y a le dernier Dicker qui sort le 27, j'ai le Tillier en service presse également à lire qui sort au mois de mai. Bref, j'ai quelques yapolars là à lire, donc je ne sais pas trop lequel prioriser, mais voilà. Michel Bussy, le dernier roman que j'ai lu de lui, c'était en septembre quand je suis revenue en France. C'était Gravé dans le sable, que j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, j'ai hâte de lire son dernier, puis je les aurai quasiment tous lus. Et puis je me souviens très bien que je vous avais fait une vidéo entière sur lui, que je vous laisserai ici, si ça vous intéresse. Mais voilà,
Donc voilà, c'en est tout pour ma petite wishlist des livres que j'ai envie de lire. Donc un roman japonais mignon, deux polars, un roman de littérature française qui s'arrache et un roman argentin qui a l'air un peu triste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous proposerai plus souvent des vidéos wishlist parce que, encore une fois, en travaillant en librairie, j'ai plein d'envie tout le temps. Je pense que ça peut vous y donner des idées. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez lu un des 5 livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. De mon côté, je les lirai très certainement tous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je reviendrai bien sûr vers vous pour vous dire ce que j'en ai à penser, parce que le but d'une wishlist, enfin je trouve ça sympa, mais c'est aussi il y a d'avoir un retour ensuite, parce que si je dis ce que j'ai envie de lire et que je ne les lis jamais, de mon point de vue, je trouve ça un peu con. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage quasiment tous les jours plein de choses et d'aller sur mon blog que j'ai tout refait, sur lequel je partage 2 articles par semaine parce que c'est un petit peu mon rythme de lecture, 2 livres par semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye !